Amis auditeurs de la radio Maria, bonjour. En direct du district sanitaire de Madibou, véritable vertèbre du système de santé du Congo à Brazzaville, nous publions aujourd'hui votre nouvelle émission de foi et santé. Amis auditeurs, le chiffre 3 et ses multiples semblent gouverner le monde. La Trinité est une donnée qui dépasse les limites du monde spirituel et est utilisée dans le monde matériel grandement. Le triangle figure géométrique de référence et à la base des théorèmes de Thalès et de Pythagore, bâtisseurs de principes qui guidèrent les ouvriers de pyramides d'Égypte, véritables œuvres d'art figurant parmi les sept merveilles du monde. Aujourd'hui, le téléphone est au centre de la vie. 21 fonctions que nous allons résumer à la fin de cette émission nous le confirment. La médecine, science qui fonctionne par trio. Chirurgien, infirmier, anesthésiste, médecin, laborantin, pharmacien, etc. n'échappe pas à la loi triangulaire. Le téléphone, la Trinité et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les amis standardistes. Dieu seul sait s'il en existe encore beaucoup. Mais en tout cas, dans les sociétés de téléphonie, dans les chaînes de radio, il y a encore des standardistes. Les travailleurs des services de télécommunication, les facteurs, et hélas, il en existe encore un peu, contrairement à ce que l'on pouvait croire avec le développement des réseaux sociaux et des nouvelles formes de communication. Tous les médiateurs, les journalistes et communicateurs divers, les greffiers, les arbitres. Histoire de la maladie. Papa Justin avait un surnom particulier, Voyance. Au troisième âge, cet enseignant voit apparaître sur sa joue gauche, haut située, en avant de l'oreille, une boule de chair qui grossit progressivement. En 3 mois, elle prend l'allure d'un œuf de poule. La boule fait mal et empêche le sommeil. Il consulte le docteur Jérémy, otorhinolaryngologiste. Celui-ci fait un examen complet avec échographie. Il s'agit d'un kyste de la glande parotide. Il s'accompagne d'une baisse de quantité et de la qualité de la salive. Des plaies apparaissent dans la bouche, entraînant une consultation de Georges Adrien, le docteur en stomatologie. Ainsi commence le zigzag thérapeutique de Justin Voyance. Sa fille unique, Myriam, est bouleversée, fatiguée. Jusqu'au jour où Madeleine, sa voisine, lui parle du docteur Simon Pierre, chirurgien maxillofacial. Celui-ci, après révision des examens du patriarche, décide une chirurgie sous anesthésie locale. L'infirmier Salomon, habitué du bloc opératoire, et le docteur Simon, ainsi que Georges, vont disséquer l'organe et découvrir sous une couche musculaire une boule blanchâtre remplie de liquide. La boule est retirée, un brûlet placé, attaché par du fil résorbable et le pansement compressif mis au-dessus, termine l'acte opératoire. En 10 jours, le trio des docteurs a résolu le problème. Le trio a vaincu la maladie, Voyance est sauvée. Alors nous allons méditer cette histoire avec ce chant bien connu de tous les auditeurs, Rendez grâce au Seigneur. Nous servirons des louanges et prières, nous ses enfants, nos peuples de poussière, notre Seigneur est grand, Dieu de victoire. Chantant le roi puissant,
qui a les vrais pouvoirs. Rendez grâce au Seigneur qui chasse les douleurs. Rendez grâce au Seigneur qui donne le vrai bonheur. Rendez grâce au Seigneur, il a fait des merveilles. Gens de toutes couleurs, contemplez son éveil. Chantons, chantons, peuple de la terre, louons, louons, le roi de l'univers. Chantons, chantons, peuple de la terre, louons, louons, le roi de l'univers. C'est aujourd'hui que rayonne sa gloire, sa force, lui couronne notre espoir. Il a mis dans nos cœurs l'éclat de son soleil. Chantant, chante dans son cœur, Dieu ne dort pas, il veille. Rendez grâce au Seigneur qui chasse les douleurs. Rendez grâce au Seigneur qui donne le vrai bonheur. Rendez grâce au Seigneur, il a fait des merveilles. Gens de toute couleur, contemplez son éveil. Chantons, chantons, peuple de la terre, louons, louons, le roi de l'univers. Chantons, chantons, peuple de la terre, louons, louons, le roi de l'univers. Ô Dieu puissant, mystère de l'univers, ô qu'il est grand, il règne sur la terre. Au long de nos vies, du matin jusqu'au soir, tous les grands et petits suivront bien son histoire. Rendez grâce au Seigneur qui chasse les douleurs. Rendez grâce au Seigneur qui donne le vrai bonheur. Rendez grâce au Seigneur, il a fait des merveilles. J'en ai toute couleur, contemplez son éveil. Chantons, chantons, peuple de la terre, le roi de l'univers, nous servirons des louanges et prières, nous ses enfants, nos peuples de poussière, notre Seigneur est grand, Dieu de victoire, chantant le roi puissant qui a les vrais. Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, verset 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il apprendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amis auditeurs, il ne faut jamais cacher l'information aux autres. À ceux qui travaillent, il faut accepter d'évoluer par étapes. Ne jamais brûler les stades de formation. Cela est très important pour la formation. Il faut toujours dans la vie accepter de se refaire, de se compléter avec les autres. On ne connaîtra jamais tout, tout seul. Ne jamais charger négativement celui qui vous remplace. Être fair play quand on passe la main à un successeur. Celui qui arrive dans le métier doit accepter les bons côtés de celui qui part. Dans tout métier, accepter la trinité des choses entre celui qui vient, celui qui part et la conscience morale garantie par l'État et Dieu. Celui qui nous a précédés doit être respecté. Il ou elle a fait des pas que nous devons suivre. Le cycle de la vie est fait de 3 générations, 60 ans. Après cela, on doit faire le bilan. Les choses doivent changer, se modifier.
il faut changer les méthodes et les habitudes. Les trois acteurs du changement sont celui qui était là avant, moi, et celui qui viendra après moi. La transmission de l'information est fondamentale. Et le téléphone, c'est le symbole qui fait le lien de trois personnes ou plus. Et nous allons méditer cela par notre habituel compagnon, Jean-Claude Janada. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort et plus sage. Continue, accroche-toi, on n'est ici que de passage. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Le désir et l'envie seuls rallument la flamme. Grâce au renoncement, on a grandi ainsi son âme. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Se désarmer d'abord, condition intrinsèque. Et la vie continue, on n'a pas le choix, faut faire avec. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Lève, lève la tête, la route va devant. Lève, lève la tête, du côté des vivants. Le pardon rend plus grand. Histoire de la médecine, la Trinité et la médecine. Le préopératoire, c'est ce qui se passe avant l'opération. On fait un bilan, on contrôle l'alimentation du patient et on prépare le matériel. Il faut aussi qu'il y ait des conseils, des conduites à éviter et des restrictions à prescrire. Le père opératoire, c'est ce qui se passe pendant l'opération. Il faut de la complicité entre les opérateurs, de la vigilance, de la courtoisie, de la résistance, parce que ça peut mettre du temps, et des pensées positives, toujours penser qu'on va réussir. Le post-opératoire, c'est ce qui se passe après l'intervention. La surveillance, le régime, la discrétion, il faut être discret, garder pour vous ce que vous avez vu pendant l'opération. Le secret médical est fondamental. Il faut faire des contrôles, des bilans de contrôle pour évaluer l'état après. Et souvent, après l'intervention, on peut cumuler les cas pour faire des études cliniques. Les étapes avant la naissance, il y a la période embryonnaire, le premier trimestre, c'est celui de la mise en place des tissus et des organes. Le deuxième trimestre, c'est la période fœtale, le développement des organes, la préparation à la naissance et l'adaptation à la vie. C'est le troisième trimestre.
L'évolution de la médecine dans le temps. Les pionniers, ils ont du mérite. Pasteur va découvrir les microbes et mettre en place le microscope. Galien va fondamentalement nous permettre de comprendre les secrets de l'anatomie. Claude Bernard, du milieu intérieur et la physiologie. Ceux qui exercent aujourd'hui ont développé le scanner, l'IRM et la cancérologie. Ainsi, l'espérance de vie de la population a augmenté. Et ceux qui viendront demain, c'est déjà aujourd'hui, c'est la période de la médecine numérique. Et petit à petit, il y aura des spécialités qui vont disparaître, comme l'orthophonie et comme la radiologie. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de défier l'intelligence humaine dans ces domaines-là. Mais il faut toujours faire préserver la valeur de l'homme sur la machine. Et nous allons, avant de clôturer cette émission, écouter les bons bergers. Batemio, Yangabura, Missidino, Yangabura, Missidini, Ario, Yangabura, Missifilo, Yangabura, Nesungabo, Yangabura, Aburanduele. Bacham, Timburan, one mum, sis Buranwe, one mum, young Buranwe, oh, Yambutisa, ah, Yambutisa. Nous allons prendre pour référence, Ghislain, le psaume 44, les 10 premières strophes. Et avant de clôturer cette émission, nous allons prendre ce proverbe grec qui dit que le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien. Merci à mes auditeurs de la Radio Maria. Ceux qui nous suivent à Pointe-Noire, ceux qui nous suivent désormais depuis le district sanitaire de Madibou,
à Brazzaville, véritable vertèbre du système de santé du Congo. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube et vous allez suivre sur le site de la Radio Maria, sur Internet, le monde entier peut nous capter aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Même heure, même fréquence, la fréquence sacrée. Que Dieu vous bénisse.